Shalom Aleichem, on se trouve dans Orchot Sadikim Shara Atzut, la porte de la paresse. Alors il nous dit le Rav déjà que la fainéantise, c'est la mida qui est loin de tous les bonnes midot. Loin de tous les bonnes midot. C'est décrit aussi dans Michelet. Veneemar ta'avat atzel temitenu ki ma'anu yadav la'asot. La ta'ava. Ta'ava, c'est le plaisir. Le plaisir du fainéant. Et va le tuer. Pourquoi? Il s'empêche de faire des actions avec sa main. Comme ça, c'est écrit dans Michelet. Benehemar, haram atzel be'enav. Le haram, que lui, qu'il est fainéant à ses yeux. Mishiva, meshive ta'am. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est ce pasouk. Il nous dit le Rav Pirusho shel pasouk ze kachou. Ce pasouk, il est comme ça, il faut l'expliquer. Melech, un roi qu'il a des envoyés. Il a des ratzim. Cela que ratzim, en général, c'est des envoyés. Il court des. Tiens, fais ça, va là-bas, dis là-bas, viens ici. Ça s'appelle ratzim. Il court faire la volonté du roi. Et tout le monde y font. Qu'est-ce que le roi demande? Et ainsi aussi, ils sont venus vers le roi. Et il répond maintenant, qu'est-ce que le roi demandait? Parmi un de ceux-là qui sont avec le roi, il y avait un qui était feignant. À chaque fois, qu'est-ce qu'il dit? Il est malade, il est fatigué, il n'arrive pas. Et le roi, il envoie tout le monde. Et il se repose et il mange de la table du roi. Et lui, ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il rigole, il se moque. Il dit, arrête, arrête. Courez, continue à courir, comme ça il dit. Et continue à faire. Comme ça, un homme, il se comporte avec Akadosh Baruch Hu. Allez. Vous pouvez... Moi, je me repose. Comme ça, un homme, il croit. Cheroé, chavera, vegim, et toi, hader, marzi, katsmo, chacham. Et lui, maintenant, il se croit que lui, c'est un chacham. Vous savez combien de gens, il y en a comme ça? Ils sont, soi-disant... Ils connaissent tout dans la vie. Ils connaissent tout. Combien de gens il y en a? Combien de gens? Ils croient qu'ils connaissent tout. T'as 18 ans. Le lait coule de ta bouche. Ça fait pas longtemps que tu as mangé du lait, du biberon. Et lui, il croit qu'il connaît tout. La Mishnah te contredit. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Hamshim la etza. Quand tu as 50 ans, peut-être, tu peux commencer à donner des conseils. Et le bonhomme, il est là. Le roi, vous êtes shfoutim. Attends, moi, shfoutim, je suis la mêlée. Shfoutim, c'est quoi shfoutim? Shfout, c'est vous êtes esclave du roi. Moi, écoute, je suis roi, je mange, je bois du roi, quand même, je profite du roi. Et je vais trouver, à tout le temps, je vais trouver des ruses. Chéroé, chavérim, chavérav, yégéim, itoach, adéch, marzik, asmo, haram, enav, mikol, chavérav. Combien de temps tu peux ruser le roi? Melech Malchia, Melech Makadosh Baruch Hu. Combien? 70 ans. Allez, 90 ans. Et après, à la fin, où tu vas être? Où? Où tout le monde ils y vont? Ouais, mais on vit rien qu'une fois. Hein? Vous connaissez cette expression-là? Shemerachem. Combien de gens ils parlent comme ça? Combien de gens? Après, il y a la surprise. Oshtoutou Beyado, il nous dit le Rav. Ça, c'est un livre de 1000 ans en arrière. Un Rishon. Il dit le Marsha, si tu prends qu'un Rishon, tu crois que c'est un ange, alors toi, tu es un Haha. Et si tu dis qu'un Rishon, lui, c'est un homme normal, alors. Toi, tu n'es même pas considéré comme un âne.
Et pas l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, que lui, Rabbi Pinchas ben Yair, lui, il avait un âne. Et cet âne-là, maintenant, il travaillait. Et en fin de compte, ils ont volé l'âne. Qui? De Goy. Ils ont pris son âne-là, maintenant. Et ils ont voulu, maintenant, travailler avec cet âne. Il ne bouge pas. Ils vont lui donner, maintenant, à manger le foin. Il ne mange pas. 2, 3, 4, 5 jours comme ça. Fait la grève. Ils ont dit non. On veut pas que là, maintenant, il va mourir ici chez nous. On veut maintenant, on va le jeter. Ils l'ont jeté. En fin de compte, où il est parti? Chez qui? Chez le Rabbi Pinchas ben Yair. Et là, quand il est arrivé là-bas, il a mangé du foin. Il a mangé du foin. De quel foin? Le foin de Rabbi Pinchas ben Yair. Ils se sont dit, les deux goïms là-bas, ils ont dit, mais quoi? Il n'a pas mangé chez nous, mais il mange chez Rabbi Pinchas ben Yair. Pourquoi? Ils sont venus vers Rabbi Pinchas ben Yair, ils lui ont dit, Mechila, Kvod Harav, pourquoi maintenant il mange chez toi? Il dit, c'est simple. Moi, je fais le maaser dans mon foin aussi. Et maintenant, ils ont compris. Et pourquoi ils ont pas, il n'a pas mangé cette âne-là? Parce que le foin qu'eux, ils avaient, ce n'était pas un foin de Meoussa. Ils n'ont pas prélevé le maaser. Ils se sont dit, les goïms, voilà, maintenant, rien à cette âne-là. Cette âne-là, maintenant, ils ont dit les chachamim. L'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, il ne mange pas si ce n'est pas Meoussa. Il dit le Maharsha, il dit sur place. Et si toi tu crois que les Rishonim, c'est des hommes, ça veut dire quoi? C'est un homme. Il peut se tromper. Un homme peut se tromper. Alors toi, tu n'es même pas un âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Regardez où ça va. Un Rishon. Et qu'est-ce qu'il dit le Rishon? Il dit, si maintenant, il voit maintenant cet homme-là, ah, mes amis, arrêtez, vous fatiguez pour rien. Et alors, c'est un roi. Moi, je kiffe là maintenant. C'est rien, c'est une imbécilité pour lui, entre ses yeux, entre ses mains-là. דכתיב חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלאכים יתייצב אף כאן המלך משלם גמור לפיקחים. Qu'est-ce qu'il va faire le roi en fin de compte? Quand maintenant le roi, maintenant il voit que quelqu'un, lui, il a bien répondu, il a bien fait sa shtichut. Qu'est-ce qu'il a envoyé le roi? Il va le payer. Mais quand maintenant il va voir maintenant, ce bonhomme-là en fin de compte, il n'a rien. Après, à la fin, il va le jeter, il va comprendre le roi que c'est un ruseur. Un jour, il va le jeter, il paraît qu'il va le jeter. Chemichement encore plus que grave que cela. Et ça, c'est un feignant, ça. Un feignant, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a dans la main? Il n'a rien. Ni olamazé, parce qu'il va crever de faim. On va le jeter du travail à notre. Et ni olamaba, parce qu'en fin de compte, il se ruse à lui-même. Il croit qu'il est chacham. Il croit qu'il utilise. Tu vois, à la fin, j'ai le chèque. Mais à la fin, quand ils vont l'attraper, même ce chèque-là, il l'aura. Il n'aura pas. Pourquoi? Il va perdre tout. C'est ça le Aslan. Un homme est feignant. L'amar chacham et atzel bivne adam shenit asel iknoto avim chachamim v'yirei Hashem itbarach. Un homme que lui, qu'il est feignant, lui, il est feignant d'acquérir des gens qui sont chachamim et qui vont t'aimer. V'yirei Shamaim, ils auront le Yirat Shamaim. Pourquoi? C'est écrit dans le Mishnah de Avot. Aselech harab et knelech haraber. Vas-y, aselech harab. Un rab, il faut que tu te le fais. Il faut que tu aies un rab. Que ce rab, là, maintenant, il t'indique. Il te voit, il t'ouvre les portes. Il t'ouvre tes yeux que tu ne vois pas clair. Mais haver. Mais par contre, un ami, il faut tout le temps avoir un haver. Un haver, un haver qui est positif. Un haver qui voit clair. Un haver que lui, qui ne va pas t'enfoncer après Hashem Mishmor dans le vide. Il faut l'acquérir, ce chaver-là. Comment on acquiert le chaver? Avec des belles paroles. Avec des fois une glace. Avec des... Oui, tu lui donnes. Tu lui donnes de l'argent. Pas de l'argent, tu vas lui donner. Tiens, combien? Tu es mon chaver, maintenant je vais te donner 100 euros. Ça ne s'appelle pas un chaver, ça. D'accord? Quoi, j'achète un chaver avec l'argent? Non, tu lui fais des faveurs. Tu es ici à côté de lui, tu l'aides. Parce que tu le vois que ce bonhomme-là, maintenant, il est positif.
N'acquis pas des chaverim ra'im. Éloigne-toi des gens qui sont mal. Non, mais attends, moi je vais donner quoi? C'est ça un chaver? Une fois, il y avait un papa. Okay. Son fils, il a dit, papa, écoute, je veux faire un anniversaire. Mais, hein, toi, tu invites, je suis trop dans le boulot. Invite-moi, voilà, tiens, prends mon portable. Tu vas prendre tous les... Un checker, c'est les gens qui... Les contacts, exactement. Les contacts, et tu vas inviter tous ceux-là. Qu'ils sont... Ce sont mes amis, tu les invites. Elle dit, papa, mon fils, d'accord. Moi, je fais rien. Toi, tu es dans le travail. Moi, je vais inviter tout le monde. Je vais faire l'anniversaire, fêter son anniversaire. Qu'est-ce qu'il a fait, le papa? Le papa, il a écrit une annonce et que son fils Bar Minan, franchement, il a des problèmes graves. Il est enfoncé. Il a des Bar Minan dans des dettes 3 millions d'euros. Ça, c'est une histoire vraie, Ken. C'était pas en euros, c'était en dollars. 3 millions. Et il a besoin d'aide financièrement. Qui c'est qui peut l'aider? Et il a fait une grosse annonce comme tout cela. Arrivé telle et telle date, de tel et tel endroit. Voici que la date, elle est arrivée. Le temps, il est arrivé. Le fils, il est arrivé. Il voit son anniversaire. Il avait des contacts, au moins 350 contacts. Le père, il a envoyé les messages. Et qui sait, en fin de compte, combien ils sont arrivés? Même pas 8 personnes. Le fils, il rentre. Il y a la fête, elle commence. Les 8, ils sont là. L'enfant, il regarde. J'ai 350 contacts. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, mon fils, tu vois ces 8-là? Ça, c'est tes vrais amis. Je dis, comment tu me dis? Mais j'ai 350. Il dit, non. Ça, c'est les 8 vrais. C'est pas les faux. 350 faux amis. T'as les 8 vrais. Ceux-là, j'ai marqué, il a raconté tout ce qu'il a, comment il a marqué. Il dit, papa, merci beaucoup, maintenant je comprends. À qui j'ai confiance? C'est vrai, ces 8-là, maintenant, ils ne vont pas m'aider vraiment à me rendre tous les 3 millions d'euros. Mais ils sont là, ils sont prêts à être avec moi. Ils sont prêts à être avec moi. Il y a une autre histoire qu'elle raconte. Il y avait un homme, Ken, que tout d'un coup, il a tapé sur la porte de son ami. Il dit, aide-moi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, j'ai vu quelqu'un chez Mishmor, quelqu'un qui était mort. Okay. Je l'ai attrapé comme ça. Et sa chemise, elle était pleine de sang. Tout d'un coup, il voit la police qu'elle arrive. Il commençait à avoir des 10 millions dans la tête. S'il l'attrape, ils vont dire que c'est lui qui l'a tué. Il a laissé le bonhomme mort comme ça, il est parti. Il s'est enfui. Alors le bonhomme, il dit, écoute, j'ai pas le temps. Tac, il a fermé la porte. Ça fait quoi faire? Il se sauve chez un deuxième. La même chose, troisième. Pourquoi? Après, il est arrivé sur un cinquième. Il lui dit, viens, rentre. C'est bon. Viens, mon frère, je te connais, moi. T'es pas capable. Je connais, c'est vrai, ton histoire. T'es pas capable de me faire une chose pareille. Viens, on va lever ta chemise. Viens, on va parler, on va discuter, on va voir tous les... Je connais un député. Non, pas un député, ça s'appelle Orerdin. Un avocat. Et puis, besoin ta chemise de... Tout va aller bien. Et il va dormir, il va te reposer. Tous ses amis, c'est des amis. Il les connaissait, ses amis. C'est des amis qui l'ont grandi. Ils ont mangé dans la même gamelle. Hein? Ils ont mangé. Ils étaient ensemble, ils ont grandi ensemble. Oui, mais ils l'ont trahi maintenant. Ils l'ont trahi. Knelecha Haver. A qui un Haver? C'est tu vois vraiment qui c'est ton vrai, qui c'est qui va être à côté de toi quand tu as vraiment besoin. Combien de fois on voit des gens qui sont jetés, ils pleurent. Pourquoi? Parce que ses amis, son vrai ami, il a trahi. Il n'y a pas de confiance. Confiance rien qu'à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il n'y aura pas de Arzavot. Arzavot, c'est des
Déception. Déception. Il te dit le Rav, Klaloche davar eatzel eno shave lo l'olam hazeh ve l'olam ba ki me'anu yadav la'asot. Ve'amar chacham eatzel shi mibnei adam shi nit'atzel liknot ohavim. Et le Rav, il a dit le atzel, celui-là qu'il est feignant, il est mit'atzel, il est feignant d'acquérir des gens qui vont l'aimer. Les chachamim, les yirei Hashem itbarach, des gens qui sont chacham, qui ont la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Il y a encore quelqu'un qui est plus feignant que lui. Que tout celui, il avait tout cela. Il avait des chachamim, il avait des amis, des bons, des vrais amis. Et en fin de compte, il les a perdus. Pourquoi il les a perdus? Parce qu'il faut investir aussi dans l'amitié. Il faut toi aussi, tu donnes de toi-même. Quelqu'un, il a besoin de toi. Non, écoute, j'ai pas le temps. Arrête. Tu as le temps. Tu peux vraiment l'aider, ce bonhomme. Qu'est-ce qu'il t'a demandé déjà? Tu vois, le bonhomme, tu le vois dans, de lui-même. Il ne peut pas donner. Il ne peut pas donner. Tu vois des gens, tu dis, « Wah, je... Il ne peut pas donner de lui-même. On dirait que c'est comme il est parti à Shemirahem à l'hôpital. Il ne peut pas donner à son prochain, à l'aider. Je vois des gens comme ça, j'ai dit misken. Mon ami, il est misken. Il est tellement rien que lui, il se voit rien que dans... Quand il marche, il voit la glace. Pas la glace qu'on mange, une glace. Il y avait une fois un homme. Il était très, très, très généreux. Mais il était très pauvre aussi. Très pauvre. Et tellement généreux que la porte, elle était ouverte. Les gens, ils mangeaient chez lui, des pauvres. N'importe qui, il tapait à la porte, il mangeait, il rentrait. Et une fois, son rave à lui, il rentre chez lui à la maison et il lui dit, « Magnifique, Jonathan, magnifique. » Il dit, « Arabe, j'ai appris de chez vous. Comment il faut être généreux. Je ne regarde personne, je regarde que... Aïka, je fais Aknasat Orim. Il y a beaucoup de pauvres dehors. C'est pas dommage, Arabe. C'est pas dommage. Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin d'une belle parole. Mon fils, je te bénis que Bezrat Hashem, que ta main, qu'elle est ouverte devant les gens, que ta main sera remplie d'argent. Merci, Kodara. Merci, Kodara. Et le Rave, il est parti. Une semaine après, qu'est-ce qu'il fait? Tout d'un coup, il voit quelqu'un, il dit, écoute, comme je te connais, qu'est-ce que tu fais? Tu es un cordonnier, tu sais réparer les souliers. Combien tu as besoin pour ouvrir une petite... Il a dit tant. Il a dit, voilà, je te prête. Après, tu me rends. Il a prêté. Il a commencé à ouvrir un petit coin de souliers. Il a commencé à réparer des souliers. Les gens, ils venaient. Un mois, deux mois après, les clients, un derrière l'autre, commençaient à avoir l'argent. Il a ouvert un autre endroit, un peu plus loin. Et là, il a mis quelqu'un. Il a mis son fils. Et il a commencé, continué. Baruch HaShem, un an après, il a dit, moi, j'ai une petite maison. Maintenant, je vais acheter une grande maison. Et doucement, doucement, sa maison, elle commence à se remplir. De quoi? De Re'itim. Re'itim, c'est des meubles. Et il a dit, attends. Je ne peux pas faire rentrer n'importe qui à la maison maintenant. Et les gens qui viennent de dehors ne peuvent pas rentrer chez moi comme ça. Regardez les pieds, comment ils sont sales. Ils sentent mauvais. C'est les gens de dehors, ils sentent mauvais. Ce n'est pas correct comme ça de faire rentrer à la maison. Alors, excusez-moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devant la porte, à l'extérieur. Il y a une barrière, il y a une porte. Il va mettre quelqu'un. Okay. Si on sonne, il va sortir. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de quoi? Il va manger. Même il lui donner une lahmania, un sandwich avec une petite canette, cool. C'est bon, non? Un mois, deux mois, trois mois, le Rav, il avait les Shiva, et tout d'un coup, son shamash lui dit, Kvod Rav, la Shiva, elle n'est pas évidente, et on a besoin de l'argent pour la Shiva. Il dit, tu te rappelles, Jonathan, j'ai entendu que lui, Baruch HaShem, il a eu
du succès, il a du succès. Il dit, oui, Arabe. Il dit, écoute, viens, va là-bas, tu vas à mon nom, et peut-être il va te donner quelque chose. Il sonne, il ouvre la porte, il descend les escaliers, le serviteur, un sachet de lahmania et une canette. Shalom! Et il toque la porte, et ferme la porte. Il va chez le rab, il dit à quoi d'arabe, c'est comme ça le hinyan. Il dit, moi j'y vais. Le rab, il sonne, on ouvre la porte, on lui donne un sachet de lahmania et on lui donne, il lui donne une canette. Alors il lui dit, excuse-moi, monsieur, dis à ton maître, Yonatan, qu'il y a le rab qui est là. Tout d'un coup, la porte, elle ouvre. Et Yonatan, il court. « Kvod Harav, rentrez, s'il vous plaît, rentrez, s'il vous plaît. » Il dit, « Et c'est Yovi, ah, merci, Kvod Harav, c'est grâce à votre bracha que vous m'avez donné. Oh Hashem, de jour en jour, on a eu la Hatzlacha. On a eu. Kadosh Baruch Hu nous a ouvert. Poter et Yadecha, Masbia, Lecholcha, Iratzon. Kadosh Baruch Hu nous a donné, Baruch Hashem, Arab, merci beaucoup. » Et alors, comment ça marche? Il dit, Arabe, Baruch Hashem, ça marche. Et il a commencé à parler avec lui, business. Et qu'est-ce qui se passe avant? Est-ce qu'avant, c'est comme aujourd'hui? Tu fais Arsin Satorim, comme avant? Il dit, quoi d'arabe, c'est pas évident. Les gens ne sont pas, en général, ils ne sont pas lavés, ils ne se sont pas brossés les dents. Et ils sont, quand ils rentrent avec les souliers, ils sont pleins de boue. Il rentre sur le sofa, regardez le sofa. C'est un sofa que j'ai acheté à 2 500 euros. C'est pas ce même sofa. Louis XVII. Il y avait un Louis pareil. Il n'y avait pas un Louis pareil. On va le créer, ce Louis. Louis XVII. Hein? C'est pas évident, Arabe. Écoute, je fais Akhnasat Orim. Je leur donne une canette, et je leur donne une lahmania, un petit sandwich. Ça va, Arabe, non? Arabe, il a dit... Ah, il est belle la fenêtre. Regarde à travers la fenêtre. Qu'est-ce que tu vois à travers la fenêtre? Tu vois qui là-bas? Ah ben c'est Yitzhak. C'est pas celui-là qui fait les velours? Il dit oui, oui, Arabe, c'est le bel Yitzhak. Et là, c'est le. Il y a aussi un nom, il s'appelle Abraham. Tu connais Abraham de là-bas? C'est Abraham de celui-là que. Il coud. Un couseur. Non? Un couturier. Et tu vois là-bas le Landry? Ken? Yosef, le Landry, tu le vois bien? Il dit, ah, bien sûr que je le vois, je le vois. Qu'est-ce que tu veux? Je vois tout le monde. Il dit, ah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, Arabe, ça, c'est un miroir. C'est un miroir, ça. Si c'est un miroir, c'est pas une vitre. Une vitre. Et ça aussi, c'est une vitre. D'accord? Quelle est la différence entre cette vitre et cette vitre? Une différence? Quelle est la différence, Erez, de la vitre qu'il y a là-bas, c'est un miroir, et la vitre que tu vois le dehors? Il y a une couche d'argent. Une couche d'argent. Tu vois, quand tu vois, tu vois pas le bonhomme, tu vois la couche d'argent. En fin de compte, tu te vois toi-même. C'est ça la différence entre maintenant et 2 ans en arrière. 2 ans en arrière, tu voyais les gens. Maintenant que l'argent, il est en face de ses yeux, tu ne vois plus le bonhomme. Tu vois ton sofa, 2500 euros. Tu vois ton toi-même. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire? Oui, ils ne vont pas faire. C'est ça le Inyan. Un homme, il ne voit plus le Emet. Il voit son soi-même. Et ça, ça va de partout dans le monde. Quand la mida de la gava, elle est là, il y a un obstacle entre le émet et toi. Tu ne vas pas le voir. Pourquoi? Parce que la mida de la gava, elle est en face. Quand un homme, lui, travaille cette gava, travailler la gava, c'est quoi? Il y a de dire tout le temps, il y a Akadosh Baruch Hu, il est là. Ce n'est pas moi, non, il y a Akadosh Baruch Hu, il est là. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il cherche Hachem? De baisser un peu.
de voir en face Hachem. Hachem Yizakenu.